aujourd'hui, on est dans une première réunion de propositions. Et que vous êtes tous là ce soir, après un vote qui a été fait le 28 septembre 2023, un vote qui a été emporté une très faible majorité et qui proposait une nouvelle stratégie de gestion des déchets pour l'Océan. Cette nouvelle stratégie qui était en fait une transformation totale du système de ramassage des ordures ménagères avec une volonté de passer l'ensemble de l'agglomération en point d'apport volontaire, avec tous les problèmes que ça peut poser. Et ben, notre proposition alternative, elle va demander du temps pour bien être sûr de ce que l'on fait, de ne pas se tromper. Elle va demander du temps au niveau technique, au niveau sanitaire, au niveau réglementaire, et elle va demander du temps au niveau financier. Pour la gestion des déchets d'Océrois, nous souhaitons partir de l'existant. Donc la collecte telle qu'elle est faite actuellement, les déchetteries, on sait très bien, c'est en y apportant des améliorations. Et notamment au niveau des collectes, on a l'obligation par la loi de trouver une solution pour les biodéchets. Donc, mais vraiment, ce terme-là, partir de l'existant, ça nous semble très important. On souhaite aussi proposer aux habitants de la communauté d'agglomération une haute qualité de service. Donc voilà, que les habitants soient contents, que ça soit pratique et facile. Se donner des objectifs de réduction des déchets ambitieux et chiffrés. Donc tout à l'heure, il y aura une explication sur les coûts et les chiffres, mais ce qu'on doit rechercher, c'est à réduire nos déchets. Traiter les déchets le plus possible en limitant les déplacements, parce qu'on sait que déplacer des véhicules, ça a un coût important. Donc on expliquera aussi en détail comment on peut faire. Et pour nous, une chose essentielle aussi, c'est de travailler le projet en amont, c'est-à-dire avant, pour ne pas qu'il soit imposé par la force. Donc travailler en amont avec les habitants, les élus des 29 communes et les agents du service qui sont aussi bien placés pour faire remonter en fait des propositions, puisque c'est leur métier au quotidien. Donc voilà les grands principes. Donc, maintenir la collecte des ordures ménagères, du tri sélectif et organiser celle des biodéchets en porte à porte dans toutes les zones adaptées à ce type de collecte. Donc ça, c'est un vœu pieux pour l'usager, à apporter le meilleur service. Donc on va essayer de garder ça, mais en l'améliorant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas contre les PAV. En fait, même si on avait écrit, on est contre le système tout en PAV. Et donc, ce que la loi nous demande, c'est de trouver une solution pour que les gens ne mettent plus de déchets alimentaires et d'épluchures dans le bac des OMR. Et peut-être, nous, on proposerait d'avoir des plateformes locales, c'est-à-dire dans chaque village, des zones où on peut venir stocker ces déchets, et puis après, soit c'est le broyeur professionnel de la commune, soit c'est quelqu'un on loue un matériel pour pouvoir le broyer. Donc voilà, les déchets verts, les biodéchets, c'est ça. Là, je vais vous parler des déchetteries. On a une ambition pour le Cerrois, c'est de maintenir le maillage actuel des déchetteries et de les moderniser. On veut augmenter les moyens humains, on veut professionnaliser le personnel pour garantir un service de qualité. Et on va aller vers ça, c'est-à-dire un réemploi des objets qui peuvent avoir une deuxième vie. Donc il s'agit pour la collectivité d'accompagner les changements de mode de consommation des Océrois, les amener à consommer autrement pour jeter moins. Pour cela, il faut des personnels formés, donc on appelle les ambassadeurs du tri. Il faut en fait encourager les gestes qui permettent de jeter moins. Alors, on n'est pas démunis complètement de moyens d'action. La seule chose qui marche réellement aujourd'hui en France sur la réduction des déchets, ou en tout cas la meilleure qualité du tri, c'est tout ce qui est lié à une taxation incitative. C'est vraiment effectivement notre philosophie, c'est-à-dire il s'agit de réduire la quantité de déchets non recyclables. Donc tout d'abord, maintenir la collecte en porte-à-porte pour améliorer le tri. Et on parlait donc de tarification incitative. Deuxièmement, sur les déchetteries,
On parlait tout à l'heure de moderniser les déchetteries, multiplier aussi les filières de traitement pour réduire le tonnage du tout venant, puisque c'est le tout venant qui nous coûte le plus cher. Si on multiplie les filières de traitement, non seulement c'est vertueux sur le plan écologique, mais c'est vertueux sur le plan économique. Et troisièmement, créer une ressourcerie où là aussi il y aurait des économies à faire. Il y a un certain nombre de points qui peuvent paraître communs dans ce qui est annoncé par la majorité actuelle sur le projet retenu et ce qu'on présente nous. Mais la philosophie est fondamentalement différente. Le projet actuel, c'est des investissements massifs, ça veut dire c'est du 200% d'endettement. Cet endettement, il est financé par nous. Hein. Donc on préfère partir de l'existant, améliorer le fonctionnement progressivement. Nous, on pourrait rester sur l'existant, mais en essayant de l'améliorer au maximum et le faire avec vous. Si on arrive à faire un changement, c'est seulement en faisant qu'on appelle actuellement du lobbying auprès de la majorité actuelle pour essayer de leur faire entendre nos propositions, ce qui n'a pas été. Plus le tribunal, effectivement. On a deux actions. Voilà. On a deux actions au tribunal administratif qui demandent à ce que ce vote qui a été fait pour une stratégie dans l'avenir soit au moins annulé ou au moins suspendu. Et votre mobilisation compte beaucoup. Inutile de vous dire qu'il y a un certain nombre de conseillers municipaux qui les ont regardés, les photos des poubelles, en se disant là, c'est plus pareil. Au début, ils étaient 15. Aujourd'hui, il y a 360 photos. Il y a des centaines de gens qui les ont mis sur les poubelles. Et je vous invite à les laisser, ces affiches, parce que c'est bien ça qui nous fera avancer. Peut-être qu'en 2024, on va tester la stratégie dans une commune volontaire. Donc là, petit conseil aux habitants de cette commune volontaire, mais dès que vous savez que c'est dans votre commune que la stratégie déchets va être testée, contactez le collectif rapidement pour qu'on voit, qu'on fasse au moins une réunion publique dans cette commune, savoir si les habitants sont OK. Mais pour mettre en œuvre une stratégie, il y a des tas de votes à faire. Notamment, il faut commander les PAV, il faut voir comment on va organiser le bazar, etc. Et ces votes-là, ils ne sont pas acquis à la majorité de la CA. Donc je pense qu'il faut rester optimiste et que c'est en se mobilisant tous qu'on va y arriver. On est sur quelque chose qui marche ailleurs, c'est simplement une autre voie qui, à notre avis, va plus dans le sens de la diminution des déchets et va dans la limite des dépenses. Et on est bien sur ce sujet-là. On n'a pas envie d'engager, de tout raser, d'engager des dépenses colossales pour après s'apercevoir que le système ne fonctionne pas. Ce qui nous a aussi beaucoup préoccupés, c'est que les gens puissent garder le service public, qui est la collecte à domicile. Que les gens qui vieillissent, les gens qui ont des handicaps, qui ont des problèmes de mobilité, puissent avoir le même accès que tout le monde aux poubelles. Pour faire vite, ce qu'on prévoit de faire, donc on prévoit bien sûr des visites de sites, des conférences. Alors on va, de toute façon, tout ce qu'on a écouté ce soir, tout ce qu'on a comme idée, on va tout reformuler pour faire un document, propos du collectif. Donc ce propos du collectif, vous allez l'avoir dans vos boîtes à lettres au mois de mars. Donc on va diffuser 30 000 exemplaires dans toutes les boîtes aux lettres de l'agglo, en fait. Après, nous prévoyons une présentation des propositions alternatives aux élus de la communauté. Une manifestation est prévue aussi le 13 avril, donc la date reste quand même à définir. Donc à Auxerre, départ place de l'Arquebuse. Donc on vous reconfirmera tout ça. On prévoit aussi des manifestations tournantes dans les communes, si c'est possible, à voir avec les élus municipaux. Et pourquoi pas aussi des référendums communaux. Donc là, je fais appel à tous nos élus municipaux pour organiser ça et pour faire ça. On va y aller ensemble. Voilà, c'est tout. Je donnerai le mot de la fin en remerciant tous de votre participation et de votre intérêt.